Calme Mobutu. L'entretien entre la deuxième personnalité politique de la RDC, Vital Kamerhe, et la veuve du maréchal Defin traduit le rapprochement que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a toujours fait avec la famille du deuxième président de la République démocratique du Congo. Depuis 1997, c'est la première fois que Maman Bobila Dawa apparaît sur la télévision publique congolaise à partir de l'un de ses somptueux palais d'un des quartiers huppés de Rabat. C'est en 1980 que le maréchal Mobutu épouse Bobila Dawa, la veille de la visite du pape Jean-Paul II, afin de légitimer sa relation aux yeux de l'Église. Le statut de première dame au Zaïre reste cependant unique au monde, car dédoublé. Le maréchal prend parallèlement pour concubine Kosia, la sœur jumelle de Bobby. Le pays doit s'endetter pour assurer le train de vie de ses deux First Ladies. Dans les années 90, les jumelles prennent la relève des grandes dépensières. Elles sont surnommées les Imelda Marcos de l'Afrique. Pour chaque déplacement, même les plus courts, une centaine de malles sont préparées et remplies par les œuvres des plus grands couturiers et joailliers. Les 40 ans des premières dames donnent lieu à une fête spectaculaire sur la Côte d'Azur. Tel l'oncle Picsou, Mobutu le Magnifique n'est quasiment coiffé de sa toque léopard et perché depuis 26 ans sur un gigantesque tas d'or. Plusieurs propriétés en France et en Suisse, trois palais à Bruxelles, une maison en Californie, une fortune qui s'élèverait à 5 milliards de dollars, pratiquement l'équivalent de la dette du Zaïre.
Après plus de 30 ans de règne sans partage, Mobutu est très malade. Il n'est plus le léopard si redouté. Lâché par ses meilleurs amis, les Américains, trahi par ses généraux et haï par la population, le maréchal chute de son piédestal. Le décalage entre l'ambition de l'Occident d'incarner un message universaliste en faveur des droits de l'homme et en même temps de dérouler un tapis rouge, de couvrir de fleurs des représentants de pays qui violent de façon indigne. C'est dans leurs multiples propriétés en Europe et au Maroc que semblent encore régner les ex-premières dames du Zaïre. Elles ne se montrent plus devant les caméras, mais comme me le confiera un membre de leur clan, elles trônent souvent seules à table, parées de leurs plus beaux bijoux, servis comme jadis par leurs fidèles domestiques. Ironie de l'histoire, le Congo continue de subvenir aux besoins de Bobby Mobutu. En tant que veuve d'ancien président, elle touche aujourd'hui une pension de 7000 dollars par mois. Une partie des biens de Mobutu. Ya kikazi huko nchini Morocco. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa Mama Bobby Ladawa. Non, non. Merci, maman. Merci.